Salut les amis, c'est votre Jumper, j'espère que vous allez bien les gens. Écoutez, moi c'est Mickaël Connettino. Aujourd'hui les gens, on se retrouve déjà d'une en compagnie de Overspace. Bonjour Overspace. Salut là. Comment ça va l'ami? Ça va et toi? Ouais, ça va, c'est moi ou c'est ta voix qui est partie en sucette là tout à l'heure là? Aujourd'hui, les gens, on se retrouve pour une nouvelle story qui a été grandement demandée. Après bien sûr, Breaking, on se retrouve pour Airplane 3. Est-ce que tu es prêt l'ami pour un nouveau voyage? Bah écoute, est-ce qu'on va voyager avec un autre président cette fois? Ouais, c'est vrai que dans Airplane 2, on avait voyagé avec Donald Trump, je crois, il me semble. Rien que ça. Non mais rien que ça, tu vois. Eh bah écoute, on va tester ça, on est parti, regarde. On va aller où? Attends, donc là, on a une porte d'embarquement ici. On a celle-là, on a l'autre là-bas. Bah écoute, on va aller directement dans celle-ci, mon gars, c'est parti. Ok, oh, il y a une mission secrète et tout. Oh, sympa. Ok, ah oui, on a un briefing qui est ici, donc avec les missions secrètes, très bien. Ouais, ça c'est un petit drapeau en genre, en mode, tu sais, comme si on allait accueillir quelqu'un d'important, ah, c'est ça? En effet, Nations Unies, tout ça, ah, hein, ouais, ça ouais, ouais. Encore Air Force One. Ouais, je pense, ouais, et on va encore retourner là-dedans. Bon, ça sent pas beau quand même, parce que je ne sais pas si tu t'en souviens la fois dernière, mais ça s'est un peu mal terminé quand même, non? Bah, comme à chaque fois qu'on part en voyage. Ok, ah oui, carrément, d'accord. Ah oui, d'accord, il y a un briefing et tout. Avec un gros écran, Colonel Tomate. C'est le nouveau Apple, c'est Tomate. Tomato. Excuse-moi, bon, alors c'est moi qui... Ah bah non, je voulais faire le briefing. Attends, je peux pas m'asseoir. Ah voilà, c'est bon. Ok, alors donc, waouh, on est tellement nombreux. Non mais, c'est un délire, on est beaucoup trop nombreux. Il y a tellement de gens quoi. Non mais c'est un truc de ouf. Il y en a même qui sont sur la table, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, tu vois. Ah, enfin. Ah, bienvenue à tous. Ah. Allez, il y a une voix de caporal. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Vous demandez sûrement pourquoi je vous ai tous réunis ici. J'espère que vous êtes des soldats en forme. Wow. On n'est pas là pour enfiler des perles. Oh non. Oh non. Ah par contre, il a pas de nom. Ça déjà, c'est étrange, mon gars. Ouais. Oh, c'est la musique de GoldenEye. Allez. Oh. D'accord. Je représente l'armée américaine, l'armée des Roblox, ouais. Ok. C'est le général. C'est le général de l'armée. Oh, d'accord. Vous pouvez m'appeler le général Poncho. Ok. Le mec, il a un nom de vêtement. Ouais, non, mais... J'avoue. Trop stylé. Ok, il va nous donner des ordres très bien. Ah, d'ailleurs, t'as vu, c'est marqué exactement pareil sur toutes les feuilles, la mission secrète. Ouais, c'est ça. Okay. A priori, on sera expulsé s'il y a des fuites. Ah. Ok. Bah, écoute, s'il vous plaît, prenez un siège. Et tout de suite. Asseyez-vous. Hé, hey, colonel. On a pris un siège, colonel. Ah, tu as changé de place, à ce que je vois. Je pue ou ça se passe comment? Non, mais. Attends. Oh, vite. Oula. Vite. Ah, il reste. Il y a un timer. Il y a 3 secondes au-dessus. Ok, c'est bon. T'imagines, tu meurs parce que tu t'es pas assis. On n'est pas obéi à l'ordre, soldat. Vous êtes renvoyé. Oh, très bien. Alors, qu'on s'en fait. Alors, on va faire le premier point. Très bien. Ah, alors, quelle est la mission? Colonel. Enfin, général, pardon. Général. Ah, oh là. Ennemi public numéro 1. Ou alors, peut-être celui qu'on doit défendre, mais bon, vu le visage, à mon avis. Alors, c'est votre cible. Notre cible. D'accord. Ok. Ok. Il s'appelle Ronald. Ah, Ronald. Ronald Trump. Ronald Trump. On a des informations sur lui. Ok. Et apparemment, il est extrêmement dangereux. Très bien. Moi, ça se voit avec son sourire malicieux là. Ouais, grave. Il aurait... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Oh. C'est là que je la... Ouais, voilà. Genre... Oh, il a kidnappé un pilote. Wow. Il a kidnappé le pilote, le capitaine de. C'est pas de Air Force, t'imagines? Ah non! Ouais, c'est trop... Tout le monde était dans cet avion! Tout le monde est dans l'avion est en danger alors! Alors donc là, ça veut dire que c'est en train de voler au-dessus de l'Atlantique et que. Il y a un kidnapping, d'accord? Ah! Heureusement, l'autopilote a pris le relais! Ah! Ça, c'est bon signe! Donc tout le monde est safe! Ah! Oula! Ah bah. Ils l'ont arrêté ou? Votre mission, si vous l'acceptez, est de stopper Ronald! Ok. On a besoin de trouver l'avion. Oh. Ah. D'accord. Ah, et tout le monde sera encore en l'air, dans le ciel, mais en mode autopilote. Ok. Ouais, bah oui, mais il va falloir nous envoyer dessus, quoi. Ok. Il faut trouver les intentions de Ronald. Et l'amener devant la justice. Ça roule. Ok. Viens aussi, général. On y va. Mais comment on va aller? Mais comment on va faire pour aller dans l'avion? C'est une bonne question. Suivez-moi. Ah. Vas-y, je vais. Oh là, il y a une flèche et tout carrément, général. Ok. Général, la porte. Je n'ai pas les clés. Oh, ah oui. Ah mais ça déconne zéro en fait. Allez. Écoute, allez. Attention, mettez-vous au centre de la plateforme. Ça va lever.
Oh là là, oh, mais ça a l'air d'être un truc futuriste en fait. Je pense, oui. Bah, l'armée ne nous dit pas tout, hein. Ils nous cachent des choses. C'est vrai, la zone 51, mon gars. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, général. Oula. Oh oh. Viens, viens peut-être oublier Overspace, on sait jamais. Oui, d'accord. On sait jamais Overspace. Ok, oula. Oh, oh, le petit saut de sécurité. Ok. Alors, on descend. Ok, nous descendons. Oh ah. Oula. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est un aspirateur. C'est un aspirateur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? L'ascenseur bien trop grand pour 3 personnes. Mais c'est l'ascenseur Dyson, mon gars. Wouah. On se croirait dans Mad City. Oh la navette, mais grave. Oh là là, Airplane 3. Oh, c'est trop stylé, les gens. Trop stylé. Allez, on y va, c'est parti. Oh, moi je vais me changer. Ah oui, j'avoue, tiens, j'ai pas vu la tenue. Oh, une tenue violette. Oh, je prends la tenue bleue, moi. Oh, moi je prends la violette. Ah, ok, c'est bon, je suis équipé. Ha. Ah oui. Oh, oh attends, il y avait d'autres tenues rouges et tout là-bas aussi. Oh, je suis stylé comme ça. Ok. Oh, ça a des couleurs. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais. Moi, je suis désolé, il y avait pas une tenue camouflage blanc et noir. Ok, tout le monde va pouvoir se préparer. On va y aller. Oh. Ok. Tout le monde doit se préparer. C'est bon. J'ai mangé un personne ne quitte cet endroit sans une tenue militaire appropriée. Ouais, ça roule. Par contre, les lunettes, c'est pas très militaire, non? Mais si, ça fait genre, regarde. Ouais, mais lunettes de soleil comme ça. Ok, c'est bon, tout le monde est prêt? Bah, je crois que tout le monde est équipé. On a même Captain America avec nous, je crois. Ah, parfait. Bon, t'as ton kit de. Y'a une personne qui est tombée ou quoi? Y'a personne qui est tombée. Mais non, t'es génie. Oh là là. Pas de bol. Okay. Allez, c'est parti. Ok, y'a des boutons à appuyer là. Faut suivre le général, Overspace. Ah, pardon. Je t'y se barrer déjà. Oh, mais l'ordi, mais moi je veux le même pour jouer chez moi quoi. Ah ouais, mais ça fait beaucoup d'écran quand même, non? Et par contre, y'a pas de siège, tu vois. Ok, on va checker le système. Ça roule. Ok, alors, l'avion. Apparemment, l'avion, ça va. On a des pilotes, hein, t'as vu? Ouais, pilote, copilote. Ouais. Ça doit être tes confrères, ils ont des lunettes aussi. Ok. Ah, on a pas de fuel. Ah, on a pas de carburant. Bon, faut leur trouver un moyen d'en rajouter, je pense, non? Ouais, y'en a deux. Ok, ça roule. Pompes à essence. Yes. On s'occupe de ça, mon gars. Alors, il va falloir absolument le remplir. Non, mais c'est pas notre tâche, général. Ok. Ah, c'est les fameux boutons qu'il y avait tout à l'heure là-bas. Oui, en fait, c'est des tuyaux. Regarde, Overspace. Ah, mais il faut faire du jump. Non, mais c'est quoi leur truc à essence? C'est pour tester tes compétences, mon gars. Ah, oh, oui, on est là. Bah, oui, regarde, tu voyais pas avancer. Il faut les connecter. Ok, au niveau de l'arrivée. Très bien. Okay. Ça roule, général. On s'en occupe. Oui, y a un objet secret là-bas. Ouais, j'ai vu. On y va, attends, viens, on va voir. On se passe. Trouve cet objet secret. C'est quoi ça? C'est une peluche. Oh yes. C'est oh, une... on peut pas le prendre. Ah si. D'accord. Oui. Ah. Ah ouais. Ouais, ça fait pas très. Ouais. Bon. Alors. Allez. C'est bon. C'est bon. Ok. Oh, trop bien. Vas-y, prends-le. Ah, vas-y. Attention. Oh, y a une personne qui est tombée encore. Non. Tombe pas, Overspace, c'est bon. Vas-y. Allez. Branche-le. Une, deux. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon. Nickel. Tu peux le brancher. Et... impeccable. Ah, c'est quoi ça? Faut les pomper. Attends, je vais essayer de choper le... Tu me le laisses, celui-là ou pas? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, y en a 4. OMG, d'accord. Ah, là, il faut passer là, regarde. Comme ça. Ok, bon, il est easy, celui-là. Je sais pas ce qu'elle faisait. Allez. Hop. C'est bon. Je l'ai. Ok, magnifique. Je le ramène. De la même couleur que ta tenue. Exactement. Oh là, c'était chaud, ça. Ouais, t'as vu, mais en fait, y a du body block. On peut se croiser. Ok, c'est bon. On l'amène. Allez, 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 allez. Easy. Tranquille. Voilà. Ça. Allez, on le branche. Le branchement est effectué. Impeccable. Oui. Super. Ok, ensuite. Allez, branche, branche, branche. Yay. C'est bon, c'est branché. Bien joué. Bon travail, soldat. On y va. Okay. On a géré, mon gars. Okay, excellent. Les caps sont connectés. Ok, et là, ça va être la pleine puissance. Je pense qu'on va être rempli à fond là, mon gars. Voilà, nickel. Oh. Allez, bien ça, ça se remplit. Allez, dis-moi que c'est bon. Allez, 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 allez. C'est good. On va être à 100%. Et après, je suppose qu'on va pouvoir embarquer par l'arrière, à mon avis. Oh, ok, c'est bon. Très bien. J'ai toujours ma peluche, moi. Moi aussi. J'espère qu'on décolle pas avec les câbles arrachés, sinon on est prêt. Ah oui, j'avoue. On va décoller avec les câbles, on va arracher. T'imagines tout, Allez, hop, bah tu restes au sol, hein. Ou t'arraches tout le système. Ok, oh, on est prêt. Ah, ah, le pilote nommé Clark, tiens. Oh, c'est Superman, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et l'autre, ça nomme Bruce, non? Attention, attention, à tous les coups, il s'appelle Bruce. T'imagines?
Attention, tu me dois 100 Robux. Ok, le système est prêt, général. Ça roule. Et l'autre, non, on s'en fout, non, je sais pas. Ok, on s'en fout, c'est un le pauvre copilote que Karen a demandé, tu sais. Ok, okay, démarre, c'est notaire. Ça va bien se passer. J'y crois, on va bien se passer. Attention. Ça va le faire. Allez. Ok, ça démarre. Ok, le moteur est prêt. Les hélices tournent. Ouverture. Ah, je suis là. Non, vous ne pas dessus. Non. Waouh. Oh, attention. Ça a failli me tomber dessus, mon gars. Allez. Je me mets à côté du général. Ah. Oh oui. C'est bon. Yes, oh, on est trop bien placé, mec. Oh là là. On est trop bien placé. Oh là là. 20 secondes, on décolle. Attention, accrochez votre ceinture. C'est parti. Par contre, je persiste à dire que c'est pas bien de décoller avec les câbles de brancher. Bonne chance, ça va aussi, les gens. On va y arriver. Allez, on peut le faire. Ok. On va arracher toute la base. Je dis ça, mais les câbles. Ouais, c'est ça. On a pillé les câbles. Allez, attention. 3, 2, 1. Ça balance la sauce. Fermeture des. Oh non, il est mort. Il était pas ici. Allez, attention les gens, ça va être le décollage. Alors en vrai, on avait déjà décollé, enfin tout le monde sauf moi. Moi j'ai eu un bug, l'avion voilà. Est parti tout seul. Je vous montrerai vite un extrait pour dire, je dis pas nappe hein, quand même. Et vraiment, je suis resté avec le général pendant que tout le monde était parti en mission quoi. Donc on a dû revenir quoi, non mais on a dû tout faire quoi. Ok, bon courage soldat. Alors là cette fois-ci général, tu me TP s'il te plaît, tu me laisses pas avec toi. Ok, attention, attention. Allez, s'il te plaît. Moi que je suis avec vous quand même. Mais non mais je suis pas avec vous. Mais c'est fou. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah bah voilà c'est bon. Regardez j'ai réussi à revenir. Non mais mec t'as vu ça. Non mais il me voulait pas dans la mission quoi. Alors peut-être que j'étais un tueur. Non je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas j'ai pu revenir. Ça alors pas ça. Ah oui c'est vrai la banane. On ne sait pas. Mais je pense qu'à mon avis elle n'est pas. Ouais généralement c'est pas terrible, voilà. Non ouais. Attention, on est dans une story. Ouais, c'est ça, story, exactement. Ne mangez pas la banane. Bah voilà, tiens, tu vois. Voilà, c'est bon. Ok, ouais, c'est vrai que la bouffe, c'est toujours empoisonné. C'est empoisonné. Ok, non, non, c'est bon, je la mange pas. Ok. On est pas mal là ici. Par contre, je tiens plus rien dans les mains, tu vois. J'ai ma main, tu sais, en mode. Oh, je te tiens la force. Et t'es avec moi. Ah, alors je plaisante, c'était une vieille prank. Ah. Ah, c'est pas drôle, général, non. Attends, non, c'est... Il y avait quoi dans la banane? C'était une banane empoisonnée en fait. Je crois, oui. Ah, d'accord. Je suis désolé d'avoir fait ça. Ah, c'était un test, c'est ça. Oui. Ok. En même temps, tu vois souvent ça dans les missions des soldats. Genre, t'as un gros bol de bananes au milieu du truc, tu vois. Ok, bon. Alors, on va dormir, c'est ça. C'est ça. Jusqu'à temps qu'on arrive à destination. Ouah, par contre, ça tend, gars. Pour plusieurs heures. Ouais, t'as vu, c'est bien fait. Hein. C'est stylé de ouf. Oh oh. Ok. Bah, écoute, waouh. J'aurais peut-être dû m'asseoir, non? Je sais pas. Ah! Est-ce que tu entends la pluie? J'entends la tempête, ouais! C'est bon, t'es avec nous! Ok, ouais, c'est bon, non, t'inquiète pas, je suis avec vous. Ok, viens, on s'assoit, je pense que, à mon avis. Ok. Ça va tanguer, mon gars! Je me mets à côté de toi. C'est le moment de se réveiller, soldat! Ok, général! Je pense qu'on est prêt. Ok. Ok. Wow. Il fait nuit! Et il semblerait que nous soyons à l'intérieur d'une tempête. Effectivement, je vois que le général est dans la cabine avec les pilotes. Oh, what? Oula, il y a eu un éclair. Ah oui, il y a un moteur qui a explosé. Ah oui, ah! Le moteur, il a pris la foudre. Non. Je vois deux général, est-ce que c'est normal? Ah, oui, exactement. On va perdre l'hélice. Ouais, c'est ça. Oh non, c'est une blague. On est en train de perdre. Le moteur droit. Je vois le moteur droit. Oula! Ça veut dire qu'on va mourir. Non. On a des parachutes. Rassure-moi, attends. Est-ce que dans les combinaisons qu'on a pris, on avait des parachutes ou pas? Moi, j'ai un sac pour vomir. Peut-être ça peut le faire. Moi, j'ai un paquet de chips, 3 cuillères. Et une pizza, c'est normal. Ça se voit qu'on est dans Roblox, dans une story, tu vois. Attends, non mais attends, il veut aller réparer le moteur. Attends. En vol, en l'air. Mais vous êtes sérieux? Il va falloir qu'on aille dehors. Ah bon, bah très bien. Ah bah on y va, bah écoute. Fondu au noir. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ok. Bon. T'as tout ce qu'il faut, Overspace. Très bien. La clé plate. Oula. Ah. Alors à mon avis, je vais devoir mourir avec vous à chaque fois pour venir, quoi. Non mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais c'est une blague. Je vais être obligé de mourir. Regardez, ouais. Attendez, j'arrive. Non, je veux revenir. S'il vous plaît, laissez-moi. Voilà, c'est bon, j'arrive. Ah, c'est bon. Ah. Voilà, c'est bon, je suis avec vous. En fait, c'est une technique pour faire payer, tu sais. Non, mais trop bizarre. Ok. Alors, il va falloir me protéger pendant que j'essaye de réparer ça. Ah, ok, très bien. D'accord, il va falloir protéger de qui, de quoi? Je sais pas, mais... Bah, apparemment, de la foudre, je ne sais pas. Il faut attirer la foudre.
Ok, 60 secondes. Mais j'avoue, de protéger. Oula, il y a la foudre. Ok, en fait, on va surtout devoir essayer de survivre, ouais. Ouais, parce que c'est lui il se met bien en fait, hein. Ok, mais ça va, les éclairs sont cool, ils mettent un petit laser rouge avant d'avoir un impact. En vrai, si tu te mets là, tu crains rien, regarde. Je sais, toi, je serais pas aussi confiant. Bah écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Je crois que j'ai trouvé la technique. Et en vrai, j'aurais dû rester dans l'appareil, moi. Non, mais. En vrai, j'aurais dû rester dans l'appareil. Ok, c'est bon, il est en train de réparer l'hélice. D'accord. Ça se passe bien. Moi j'esquive la colère de Zeus là. Ouais. J'en profite pour nettoyer les carreaux des pilotes. Ça va? Pas trop de buée de moustiques ou quoi, tu vois? Ou de mouettes? Bah, écoute, il reste 10 secondes. C'est quoi ce vol de l'enfer quoi? Non mais grave. Déjà qu'on a une mission assez compliquée comme ça en général, il fallait qu'ils ajoutent. Non, monsieur Poncho, je parlais pas de vous, tu vois. Ok, c'est bon. Moteur à réparer, impec. Ça faudra qu'ils me l'apprennent parce que c'est vraiment balèze hein, comme compétence. Ouais, grave. J'avoue, le mec il a même pas de caisse à outre, rien. Alors, combien tu paries que je retourne pas avec vous dans l'avion? Je sais, bah à la limite, attends dehors au cas où. Ouais, comme ça moi je suis au-dessus, tu vois. Ok, alors par contre. T'as vu, y'a un crâne? Mais un squelette entier! What? C'est quoi ce truc? Oula! Ah oui, effectivement, ouais, le squelette! Oh non! Oula! Vous n'échapperez pas à votre destin, quoi? Oula! Vous allez brûler! Non! Non, attention! Les flammes! What? Ok, c'est quoi ce mur de flammes? Vite, à l'intérieur! Ah, mais c'est bon, je peux rentrer! Là, parce que là, comme par hasard, c'est la seule fois que je pouvais pas vous suivre, ça craint, tu vois. Ah, mais pire! Fais voir! Ouah, effectivement! Mec, on aurait pu tellement cramer! Non, mais pire! Ok, pilote, est-ce que tout va bien? Répondez! Je crois qu'ils ont l'air conscients! Ils ont l'air conscients! Je suis désolé, général! Mais. Je sais pas de quoi vous parlez! Ils ont des vies teintées, c'est pour ça. Des squelettes géants qu'on a vu là. Ils ont le sourire, hein. Non, on n'a pas vu de squelette, monsieur. Et général. Non, mais. Ton louche. Mais c'est pas possible. N'arrêtez pas de bouger. Bon. Je pense que là. En vrai, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est bientôt arrivé. J'ai pas vu combien de soleils. Oh, on est que 5. Ok, très bien, on est pas beaucoup. Je croyais qu'on était 10 au départ. Ça paraît étonnant qu'on soit aussi nombreux dans un vol pareil. Ah. Vous êtes toujours avec moi? Ouais, c'est bon, ok. Ah, général, je crois qu'on est finalement arrivé. Le pilote pas du tout confiant. Je crois que c'est là quoi. Je crois qu'on allait arriver. C'est parfait. Bon. Ok, bah. Ah d'accord, on va aller sur. Ah oui. Oh, ah mais va falloir passer en mode secret. En plein ciel. Ouais. Sur l'avion. Non mais attends. Ouais. Sur le vaisseau, ouais. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de sauter sur un hélicoptère en marche en évitant les hélices. Quoi? Truc impossible quoi. Truc impossible. Bonne chance soldat. Monsieur Oh, tu as une table de ping-pong. Franchement, on veut pas rester là monsieur finalement. Vous savez, les squelettes Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un fromage et un pot de peinture. Bien. C'est tout ce qu'il nous faudra non? Ok, on y est. Une casquette aussi. Des lunettes de soleil. Oh, je la veux. Ah oui, bien joué. Et tu crois pas que t'en as assez déjà avec celle que t'as la semaine? Oh non. Moi okay, je fais le pot de peinture mon gars. Ok, attention. J'ai voulu faire ça toute ma vie. Oh oh. Il est énervé, mais la porte en fait elle est Il y a un souci. Attention. Il va falloir Oh oh. Ah oui, vérifier les stocks. Quelque chose pour ouvrir la porte. Je pense que le fromage il pue tellement qu'il fera fondre la porte. Moi j'aurais dit les lunettes. Tellement de classe qu'elle va s'incliner devant les lunettes. Oh. Le marteau. Bah oui, bien sûr. Ça marche? T'arrives à le prendre? Ah, il l'a pris, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, bien joué, Tuki. Ça roule, il a géré. Ah, ok, ouverture. Alors, je sais pas ce qu'il fait, on dirait qu'il tape sur un clavier, mais ouais. C'est sa manière à lui de tout régler. What? C'est terminé, Ronald. Oh, on est dedans, en fait. Mais oui, ils sont tous débattés. Comment vous avez fait pour entrer à l'intérieur? On dirait qu'ils paniquent un peu, les autres, non? Ouais, ouais, vite. Allez, mate, faut le choper. Allez. Mais pourquoi on lui laisse une longueur d'avance aussi là? En plus, lui il marche genre tranquille. Il devait paniquer, attention! Surtout c'était kidnappé les pauvres. Ok, t'as quelque chose? On n'a pas de monde. Oh les pauvres! Allez, vas-y! On n'a pas le temps! Allez! Tous ces pauvres voyageurs! Faut absolument qu'on sauve tout le monde! Et l'avion enfin, les gens dans l'avion en premier. Ok! Et lui on le chope après. Allez, je m'occupe de la rangée de droite. Ah, bien. Allez, c'est bon, j'en ai libéré un. Allez, toi tu fais la rangée de gauche, tu fais la rangée de droite.
Allez, on se passe. Faut qu'on se rouille. Allez. Oh, y'a un enfant. Le pauvre. Allez. Bah, je l'ai vu. Allez, bien joué. Yes, bien joué, c'est bon. Ça, c'est du travail d'équipe. Excellent. Excellent, voilà. Ok, bon. Tous les noobs ont été sauvés. Maintenant, on est tranquille. Ok, bien joué. Allez, bah, par contre, l'autre, il est dans le truc du capitaine, par contre. Hein. J'ai l'impression, ouais. Attends, est-ce qu'on peut le voir ou pas? On peut pas le voir. Ouais. On ne peut pas le voir. À travers la serrure. Ouais, à travers la serrure, ouais, t'es un beau gosse, toi. C'est un bouton. T'as pas quelque chose? Non. Oh. T'as pas un truc avec tes lunettes de soleil? Le général arrive. Bon, il prend son temps, mais il arrive. J'arrive à voir dans la cabine. Attends. Ah oui, bien vu. Oh, je les vois, je les vois. Ligoté. Ouais, je les vois. Il a ligoté le capitaine. Bon, ouais. Très bien. On a une seule chance, il faut qu'on discute avec lui. Ok, ok. Lui venir un héros. Oui, bien sûr. Oh non. Ok, il va falloir ouvrir la porte. Je peux le faire. Bien, vas-y, Tuki, on te regarde. Vas-y. Il y a peut-être quelque chose dans sa poche qu'on n'avait pas, nous. Une lanterne, non? Une lanterne? T'appelles Tuki lanterne, c'était un jeu de... Ah ouais, d'accord. D'accord. Et pourquoi pas une TV? Une télé, mon gars. Attends. Allez, vas-y, ouvre la porte. Allez. Allez. Il est pas pressé non plus, celui-là, non? Attention. Oh. Oh oh. T'es cerné, Ronald. Attention à toi qui se transforme pas en démon majeur là. Ouais, ouais, grave. J'avoue que dans les deux cas, dans les deux airplanes, ça a toujours été un peu le cas, ouais. Vous ne comprenez rien. Rien du tout. Ah ouais? Vous êtes des noobs. T'es cerné, mon gars. Vous avez ruiné mon plan. Oh non. Je pense qu'à mon avis, c'était son but. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors, oula, attention. Oh. Non, faut demander qu'est-ce qu'il a. Ouais, bah, j'ai pas le temps de choisir. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Je pense qu'il est possédé par le démon, mon gars. Ah, depuis que je suis enfant. Ah. Tout le monde se moque de moi. Oh. Ouais, tout le monde me trouve drôle. Le harcèlement, on y revient. Ouais, le harcèlement, comme d'hab. Quand j'avais des problèmes, personne n'était là pour m'aider. Ah bah voilà. Déjà, t'inquiète, Ronald, on comprend. Eh bon, t'étais vraiment obligé de détourner un avion. C'est quand même un peu violent, non? J'ai cherché les amis. Ce qu'il voulait, c'est des amis. Ok, attends. Mais on peut être tes on amis. On peut être tes amis. Oh non. Ah si, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est Tuki qui... En fait, c'est Tuki qui choisit, je crois. Ok, ok. On peut être tes potes. Tes amis. Tes amis. Vous voulez vraiment être mes amis? Tu ferais vraiment ça pour moi ensemble, ouais, vas-y, Ronald. Et après, c'est derrière. Hop, on le ligote. Le pire, tu sais. Oui, on peut être tes amis. Il y a une bonne personne. Tu es une bonne personne à l'intérieur, c'est ça, exactement. Mais ton pneu. Je ne sais pas. Je sais pas si je mérite d'être sauvé. Oh ouais. Mais si, on peut. Vas-y, attends. De toute façon, c'est lui qui choisit, donc. Allez, vas-y! Fait tous les bons choix! Oui, c'est bon, il a géré! Oh là là! Enfin, j'espère que c'est les bons choix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, s'ils se transforment, on va l'avoir dans l'as, mon gars. Vous avez été un terroriste. Vous êtes méchant. Vous avez explosé avec l'avion. Non, mais. Ok. Bon, je le fais. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, par contre, le capitaine qui panique toujours, hein, je tiens à le dire. Il est. Oh non! Oh non! Non, j'ai un mauvais pressentiment. Quoi? Non! Il se transforme en démon, mec! La crise cardiaque! Ah! Trop d'émotions? Ah, peut-être. La sirène, peut-être la sirène. Non, là, voilà. Est-ce que ça va? Allez, oh, oula, oh, attention. Mec, je pense qu'il faut se barrer. Il est peut-être possédé par le squelette? Tu crois? Je pense que oui, vu les... La salle du capitaine est en feu. Vu les flammes, à mon avis, Oh là 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 là. Oh, on n'a pas le temps. De quoi on n'a pas le temps? Il faut qu'on se barre, je pense. Le plaid... Ça, il va exploser l'avion. Ah oui, non, mais c'était une blague quand j'ai dit ça tout à l'heure, moi. Vite, un parachute. Allez. Dans le parachute ici. Dans les stockages. Ah oui. Vite. Je peux le prendre. Ouais, c'est bon. Je l'ai. Vite. Mais général. Et vous? C'est vous alors. Oh non, il en a pas. Oh, il va se sacrifier. On vous laissera pas ici. On l'embarque. Allez, on peut le faire. Ah bon, il va sauver. Oh bah d'accord, gros. Ah bah il veut sauver Ronald. Bah écoute, et le capitaine. Bien joué, général. Ok, ça se trouve, c'est peut-être lui, ça se trouve en fait, hein, le tueur. Ouais. Oh là là! Ah bah tiens, ouais, non! Attends, non, il va brûler en fait. On travaille avec vous, soldat. Non, général! Oh! On est coincé avec lui! Attends, faut passer à travers les. Il va falloir faire du parcours, mec! Tu crois? Oui, regarde, faut passer à gauche! Oh oui, ok! Oh là, j'ai l'œil! Allez! Oh. Respire pas, okay, mec! C'est bon. Ouah! Ouah, attention! Allez. Et on saute! J'allais dire. Mais en fait, c'est un sac à dos! Wouah! L'autre avion, il est en dessous! Ouais, je le vois! Faut atterrir dessus, mec!
Oh là là, c'est stylé de ouf. Oh les gens, Airplane 3 quoi, des génies. Oh là là. Énorme. Mais on n'est pas les deux seuls survivants. Mais on si est les deux seuls survivants, mec. Oh les soldats quoi. Oh là là. What. Et ben voilà, allez on atterrit. Ok. Attends, mais on a un banquier en bas qui nous a... Ah, c'est tous les noobs. Ah ouais. Oh, excellent. Ils nous attendent. Okay. Yes. Je crois qu'ils nous acclament, non? Ils dansent. Ouais, j'ai c'est l'impression, ça. Ouais. Allez, on vise le milieu. Et ils arrivent, ils sont là. Les deux héros, mon gars. Oh là là, tellement cool. Avec les soldats et les pilotes. Ah, oh, voilà. Ah, par contre, je suis coincé dans l'air. Ah, voilà, merci. Oh, oh et ben là. Voilà. Mission accomplie, général. Oh, mais c'est lui, attends. Non, c'est peut-être un autre. Non, c'est un autre général, je crois. Pas le copilote. Je sais pas. Ah non, il est là le copilote. Non, non, non. Oh, lui, ça doit être le caporal en chef, genre le chef des armées, quoi. Bah, il a un peu la même tenue que lui, donc je sais pas. Bon, bah écoute. Ah, je vois pas de galon par sur contre, ses épaules. Je tiens à le dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Ah non. À part les noobs, mais. Et mon dodo. Et oui. Moi, je l'ai. Oh non, je l'ai oublié. Non, je l'ai oublié dans le. Oh, non. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a eu la bonne fin, Overspace? Pas. Attends, vous avez sauvé mon père. Merci. Oh hey, Captain, vous l'avez réussi. Attends, il a survécu. Mais le général. Oh non. Où est le général? Oh non. Oh, j'aime pas ça. Merci d'avoir sauvé ma vie. Bah en fait, c'est pas vraiment nous, c'est. Ouais ouais. C'est le général quoi. Ouais, le général. Monsieur Poncho. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Oh non. Il a donné sa vie pour sauver tout le monde dans l'avion. Il a pas sauvé général tout le Alex monde. Il a pas sauvé tout le monde. C'est un héros. Ronald n'est pas là. Non. Mais non, je suis pas un héros, moi. Merci pour vos services, soldats. Ah non, c'était ma première mission. Je pensais pas que quand j'avais signé, ça allait ressembler à ça, tu vois. Non, mais pire. Oh là là. Oh oh. Oula. Je sais que le... quel que soit l'endroit où il se trouve... Eh, le squelette, il en est où, là de vous. Ah. Oh là là. Oh là là, général. C'est beau. Il est là. Il nous surveille. Notre âme de soldat. Ouais, c'est le roi lion, mon gars. Oh, c'est la bonne fin. Eh, c'est la bonne fin. Voilà, good ending. Et ben voilà, les gens. Oh allez là là. Mais c'était excellent, quoi. Oh, le saut en parachute à la fin, c'est vraiment épique. Oh, c'était génial. Et ben voilà, on a réussi. En plus, eh, du premier coup, mon gars, les deux seuls survivants, comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Et on a eu la bonne fin. Oh, c'était chaud. Bien. Mais j'ai quand même envie de dire... un gros GG à la personne qui a quand même fait les choix, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a pu obtenir la bonne fin. Et il n'a pas survécu, je te rappelle, hein. Ouais, ouais, il ouais, n'a pas survécu. Vrai. D'ailleurs, les amis, il faut savoir qu'il y a exactement 4 fins à Airplane 3. Du coup, la première fin, bah, vous venez de la voir. En fait, il suffit tout simplement de survivre et de répondre correctement à toutes les questions que nous pose Ronald. Ensuite, on a bien sûr la deuxième qui est la mauvaise fin, sans prendre l'ours en peluche qu'on a pris avec Overspace. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir survivre, hein, bien entendu. Il va falloir répondre mal à Ronald cette fois-ci, hein, bien entendu. Mais du coup, ça fait que Ronald meurt quand même et il se réincarne, bien entendu, à la fin en démon. Et ça, grâce au squelette. Et d'ailleurs, le démon, j'ai l'impression que c'est un peu le démon qu'on avait dans Airplane 1 et dans Airplane 2. Ensuite, comme troisième fin, on a une fin secrète qu'on peut obtenir uniquement en achetant le Game Pass du monstre. Et du coup, on peut transformer un joueur en monstre. Enfin, le joueur qui a acheté le Game Pass, bien entendu. Et du coup, à la fin, en fait, il se fait abattre par les soldats. Et enfin, pour la quatrième et dernière fin, en fait, il suffit que tout le monde prenne l'ours en peluche, normalement. Et si vous terminez, bien entendu, hein, comme on a terminé la bonne fin avec Overspace, vous allez avoir une malchance du fait que, malheureusement, le capitaine ne soit pas sauvé. Et que, du coup, vous allez pouvoir offrir l'ours en peluche pour réconforter un petit peu la fille, hein, qu'on a pu voir, la fille du capitaine, voilà, du pilote. Et ben voilà, et ben écoutez les gens, on va du coup s'arrêter là pour la découverte de Airplane 3. On espère en tout cas que ça vous a plu. C'est le cas, comme d'habitude, on vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner bien sûr aux deux chaînes, de partager un maximum la vidéo et la chaîne. On vous remercie grandement les amis, c'était votre Jumper et Overspace. Et on vous dit du coup à très bientôt. Ciao les amis.